Salut à tous, très heureuse de vous retrouver pour un nouvel Instant Lore avec Orange. Je suis au Parc des Princes. Le Paris Saint-Germain s'apprête à affronter le Celtic Glasgow pour peaufiner sa préparation, notamment pour la finale de la Coupe de France qui aura lieu vendredi. Les conditions sont un peu particulières dues au Covid et on fera le tour des installations. Mais l'événement aujourd'hui, c'est aussi la sortie du nouveau maillot. Les joueurs vont le mettre pour la première fois. On demandera leur impression, mais aussi l'impression des supporters. C'est parti, suivez-moi. Inspire ce maillot, c'est un maillot un peu iconique avec une retour aux sources. Oui, tout à fait, et avec les couleurs du Paris Saint-Germain. Il est classique, mais en même temps moderne, donc tout à fait d'actualité. C'est super. Et est-ce que tu as remarqué quelques détails sur le maillot qui te plaisent ? Les 50 ans. Sur le côté ? Ouais, il est vraiment magnifique, il est bien fait avec les petites coutures sur le côté. Tu avais pris un maillot blanc l'année dernière, tu t'orientes vers quoi cette année ? Moi, cette année, je vais prendre les deux. Je prends les deux. L'accès au stade, 5 000 personnes qui sont là aujourd'hui, le PSG s'engage à un protocole sanitaire, donc le port du masque, forcément il est obligatoire, du gel hydroalcoolique avant d'aller en tribune et la distance de sécurité bien sûr pour tout le monde. Je suis à la tribune Auteuil, je vais aller voir de près l'ambiance des supporters. Quel plaisir de vous entendre chanter à nouveau dans un stade. Ah bah oui, ça fait des mois qu'on l'attend depuis Dortmund. On a fait une grosse festa à Dortmund qui a marqué les esprits pour beaucoup. Il y en a beaucoup qui retiennent ce match comme une grosse réussite. Et on avait hâte de retrouver le stade. On a eu des difficultés vendredi dernier. On a un peu mal géré l'engouement de tout le monde et on n'avait pas assez préparé le match, honnêtement. C'est pour ça qu'on avait à cœur ce soir de reprendre les choses et d'aménager les choses pour que ça se passe bien et beaucoup mieux et qu'on montre une bonne image et tout ce qu'on sait faire. En fait, pour juste expliquer, il y a eu un problème de respect du protocole Covid. Donc aujourd'hui, on voit que tout le monde a été
assez bien espacé, j'imagine, le port du masque obligatoire, etc. Ouais, bah déjà, port du masque obligatoire, c'est pas simple, il fait chaud dessous, surtout quand on chante pendant 90 minutes, mais on s'adapte, on le sait, de toute façon, on doit s'adapter sur la vie de tous les jours, donc on s'adapte au stade aussi aujourd'hui. Après, bah, on a banalisé une rangée sur deux, et on a mis de l'espace, il y a quasiment un siège d'espace entre chaque personne, comme ça on est sûr d'avoir une distanciation sociale entre tout le monde et d'assurer la sécurité de tout le monde aussi. Je suis avec Léa qui travaille à l'hôpital Necker. Tu es aide-soignante, c'est ça ? Le PSG nous a fait des invitations et du coup c'est comme ça qu'on est venu avec le site d'Optisoins. Et grâce à eux, bah, toute l'équipe de Necker, bah, on est là en fait. Il y a une bonne ambiance, franchement les ultras ils sont bien, il n'y a pas de souci. Franchement c'est bien. Du coup vous êtes dans le même hôpital ? C'est ça, ouais. J'imagine que vous avez traversé une période compliquée. Est-ce que ça vous fait plaisir de retrouver le stade aujourd'hui et de vivre un moment de décompresser un petit peu ? Oui, franchement ça fait plaisir. Hein. Ça change et tout. Franchement, le confinement, tous les stades, il n'y avait plus de match. Ça nous change des idées. Voilà, ça fait plaisir, on est là. Vous travaillez tous les jours encore à l'hôpital Necker, vous avez des grosses journées, j'imagine, encore ? Ouais, quand même, ouais, franchement, oui, on bosse, on travaille. Il faut rattraper tout le retard qu'il y a eu à cause du Covid. Et du coup, bah, aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de boulot dans les hôpitaux encore. Hein. Donc voilà, ça fait plaisir d'être ici, en tout cas. Je suis avec Ben. Ben, tu passes un bon moment, j'espère ? Franchement, un moment génial, avec une ambiance de feu, comme d'habitude au Parc des Princes. Surtout qu'il y a moins de monde, mais je pense qu'ils essayent quand même de faire le job. Exactement, ils arrivent à me faire secouer la tête. Je sais que ici, c'est le personnel soignant qui a été invité pour ce match. Tout à fait. Sur ce match-là et le match d'avant aussi, on était présents pour soutenir, pour venir en force, soutenir nos collègues. Est-ce que ça te change les idées de voir un peu de foot après cette période qui a dû forcément être très compliquée à vivre ? Oui, puis en plus, c'est la première fois que je viens dans un stade. Donc ouais, j'appréhendais, mais c'est bon. On revient tout juste du boulot et voilà, on va dire c'est l'apéro. Ah. C'est l'apéro, voilà, et franchement, au top. Au top. Bon, je vous dérange pas, bon match. Merci. Profitez, kiffez à fond. Salut. Merci beaucoup. Déjà, encore une victoire avant la finale de vendredi, j'imagine que c'est important. Bien sûr, c'est important pour l'équipe, pour pouvoir retrouver le rythme et les bonnes sensations avant la reprise de la compétition. Après, voilà, on se sent bien, on n'a pas encaissé de but durant ces trois matchs amicaux et voilà, c'est que du positif. En tant que Titi parisien, je voulais te poser la question sur le nouveau maillot. J'imagine que tu dois être content, c'est un retour aux sources sur le maillot un peu original Daniel Echter. Ouais, bien sûr, ça fait plaisir et voilà, ça rappelle de bons souvenirs du passé. Comme tu l'as dit, je suis un Titi, je suis là depuis longtemps et voilà, c'est des maillots légendes, on va dire. Et ça fait plaisir de pouvoir jouer avec un tel maillot comme ça pour les 50 ans du club. Merci les gars, merci beaucoup. Je ne sais pas quoi dire exactement parce que le sentiment c'est énorme. Depuis 8 ans que je suis là. Et je vais donner tout pour vous parce que je sais que c'est très important.
c'est très important pour vous, la Ligue des Champions, comme pour nous aussi. Merci à ma famille aussi, le staff de Paris Saint-Germain, mais surtout à vous les gars. Thiago, j'imagine le au revoir, c'est important et émouvant. Ah oui, c'est très important. C'est un moment qui bien sûr que ça va rester. Parce que un fois rouge et bleu, toujours rouge et bleu. Voilà, l'instant l'or avec Orange, c'est terminé. On se quitte sur ces moments d'émotion avec Thiago Silva et ses adieux aux supporters. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao. Abonne-toi à la chaîne YouTube du Paris Saint-Germain. Abonne-toi au canal de YouTube du Paris Saint-Germain. Abonne-toi à la chaîne YouTube du Paris Saint-Germain en cliquant ici.